Eh bien salut les Clashers, c'est Skrinox. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans où je vais vous présenter mon village défensif HDV2. Il m'a permis de gagner plus de 200 trophées, ce qui est déjà énorme à ce niveau. Alors je vous le conseille lorsque vous débutez votre aventure Clash of Clans. Alors le principal c'est de placer votre hôtel de ville au milieu du village entouré de remparts. Ensuite, placez votre tour d'archer ainsi que vos deux canons à chaque extrémité du village. Puis, essayez de placer votre réservoir d'élixir, votre réserve d'or, vos extracteurs, vos mines, vos camps militaires, vos cabanes d'ouvriers ainsi que vos casernes dans le rayon de tir d'au moins une défense pour avoir le plus de chances de remporter votre bataille. Et si votre château de clan est réparé, il n'est pas essentiel de le mettre dans le rayon de tir d'une défense, car il est possible que votre clan vous ait donné des troupes. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter mon journal de défense. Alors comme vous pouvez le voir, avec la technique barbare archer, c'est vraiment pas conseillé à ce niveau, car vous allez certainement perdre. Donc là, 18 trophées de gagné, 18 trophées pareil avec Barbare Archer. Ici, il m'a fait perdre seulement 2 trophées, ici 1 trophée, donc c'est vraiment pas énorme quand vous débutez. Pareil ici, 17 barbares, 13 archers, pas conseillé, donc il perd. Ici, comme vous pouvez le voir, il m'a attaqué avec 50 troupes, donc il avait 50 troupes de capacité dans ses camps militaires, alors que moi j'en ai 30. Donc cela s'explique pourquoi il m'a mis 3 étoiles. Ensuite, ici il m'a attaqué avec des géants. Donc dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué que les géants c'est vraiment utile car ils s'attaquent tout de suite aux défenses, donc c'est pour ça qu'il m'a mis une étoile. Mais seulement un trophée de perdu, donc c'est pas énorme. Finalement, voilà. Là, David a certainement eu un souci de connexion, donc il m'a mis 0%. Giovanni, pareil, certainement un souci de connexion. Barbare Archer, pas conseillé, je vous le répète. Et ici, on vient de m'attaquer il y a 13 minutes, mais j'ai perdu seulement un trophée. Et comme vous pouvez le voir, il m'a aussi attaqué avec 50 troupes. Je vais vous la montrer. Alors voilà, il s'est attaqué. En fait, il a mis toutes ses troupes d'un côté vu qu'il n'y avait pas le mortier pour eux. Mais vous voyez, mes défenses, ils attaquent tout de suite. Donc c'est pas mal. C'est vraiment ça l'atout qui m'a permis de gagner autant de trophées. Mais s'il n'avait attaqué que avec 30 troupes, je pense que il n'aurait pas réussi à me mettre 50%, donc une étoile, car il a mis un peu de barbares et d'archers tout autour du village, et ça c'est pas conseillé. Je vous conseille, quand il n'y a pas de mortier, de placer tous vos barbares et tous vos archers en même temps, seulement sur un côté du village. Par exemple ici, vous placez tous vos barbares ainsi que tous vos archers d'un côté. Voilà, mais avec 50 troupes, il m'a quand même eu, donc bien joué à lui. Mais l'important c'est de placer votre hôtel de ville au milieu du village, et aussi c'est l'important c'est d'entourer de remparts. Comme ça les barbares et les archers ils s'attaquent en premier aux troupes avant d'attaquer aux autres bâtiments avant d'attaquer les remparts. Voilà, donc 57%, il m'a eu quand même eu une étoile, mais j'ai perdu qu'un seul trophée. Alors j'espère que ce village vous permettra d'augmenter rapidement en trophées. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce village vous plaît et à laisser vos impressions en commentaire. Sur ce, je vous laisse, merci, à bientôt. Allez, salut !